Hello les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est Émilie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une séance avec un bâton. Vous pourrez utiliser un manche à balai, ce que vous souhaitez. Moi, mon bâton fait 2 kg. Allez, on y va, c'est parti. Allez, bâton dans les mains. On y va. Hop, c'est parti. Allez, fléchis. Pointe. Alterne à droite et à gauche. Oui, avec un ballon pour faire un bâton pour faire un petit peu de place. Là, il va chercher un peu plus bas. Allez, n'hésite pas à descendre. Allez, chauffe bien tes cuisses. Allez, descends. Hein. Abaisse tes épaules. Sors la poitrine. Et en haut. Allez, on va s'étirer. Allez, lâche pas. Hein. Allez, continue sur ce rythme. Change ta position des mains en supination. Tu soutiens ton bâton. Fléchis. Allez, sur un petit air de police, on y va. Passe en talon fesses. Monte bien talon jusqu'au fessier. Allez, respire tranquillement. Allez, on échauffe en douceur. Et on repart en marchant. Fléchis. Garde bien les bras longs du corps. Allez, tout. En rythme, on tient bon. On échauffe un petit peu les biceps. Attention, on écarte un petit peu plus les bras. On va chercher au niveau de la poitrine et on va chercher derrière. Amène bien tes coudes vers l'arrière. Super. Tout petit. Allez, monte bien tes coudes, tiens bon. Petit vers l'arrière. Allez, continue, montez les coudes. Hop, on resserre un peu. On va chercher vers le plafond. Allez, grandis-toi bien. Tu commences à avoir chaud? Pense à liker la vidéo. Allez, n'hésite pas à ouvrir ta fenêtre pour avoir bien de l'air dans ta pièce. Allez, fléchis, garde tes coudes vers le plafond et fléchis.
Allez, si tu as un petit peu mal au dos, n'hésite pas à garder les pieds fixes au sol. Jambes fléchies, légèrement déverrouillées. Si tu veux éliminer un petit peu plus, commence à marcher. Allez, souffle bien. Écarte un petit peu plus tes bras et descends derrière la tête. Allez, on tient. Souffle bien, pense à garder le sourire. Attention à faire des tout petits rapides derrière. Tout petit. Allez, on tient bon, tout petit, saccadé. Allez, pense à sortir la poitrine. Tout petit, rapide. Et tu peux relâcher. Resserre tes mains et monte les coudes. Et là, on va le faire sur les pointes de pied. Allez, monte, grandis-toi bien. Pense à monter tes coudes. Allez, on souffle, on y va. Bien en haut. Allez, décolle tranquillement les talons. Pense à rentrer ton ventre. Allez, on y va, on tient bon. Allez, on continue. Contracte un petit peu les fessiers aussi. Attention, tout petit. Bien en haut, bien sur les pointes. Et relâche. C'est le moment d'étirer le mollet. Talons dans le sol, jambes fléchies. Allez, on appuie bien sur la jambe arrière. On change de côté. Talons bien ancrés dans le sol. On tient bon. Décolle ton talon et descends. Allez, va chercher vers le sol. Genou vers le sol. Attention, on n'avance surtout pas le genou sur la jambe avant. Allez, va chercher en hauteur. Grandis-toi bien à chaque fois. Super. Raffermis les jambes, c'est super. Ne relâche pas. Hein. Chante de côté. Allez, attention, déjà. C'est parti. Et tu peux relâcher.
Place ton bateau tranquillement. Au niveau des épaules. Au niveau des épaules. Les pieds un peu plus larges que le bassin. Et nous allons faire des squats. Allez, attention, on y va. C'est parti. Pousse bien les fesses en arrière. Prends le temps de descendre. Et remonte tranquillement. Allez, tranquille, hein. Ne cherche pas à aller trop vite. Allez, on va accélérer un petit peu. Allez, tiens, bon, souffle bien. Allez, prends plus au dos pour descendre. Allez, attention à faire des tout petits saccadés vers le bas. Tout petit là. Continue de bien pousser les fesses en arrière. Allez, tout petit encore. Est-ce que ça chauffe dans les cuisses? Allez, pense à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Allez, tiens bon, hein, ne lâche pas. Et relâche. Resserre tes pieds. D'accord, pieds serrés, on repart en squat. Allez, attention, on y va, il prend le temps de descendre. Et remonte tranquille. Souffle bien. Allez, prends encore ton temps, ne lâche pas. Respire bien. Super. Tu sens bien tes cuisses, tout petit. Allez, bien saccader, tout petit, rapide. Allez, encore. Et hop, tu peux relâcher. Pose ton bâton, on étire les cuisses. Talons fesses. Change. Relâche. Inspire, étire-toi bien et va chercher vers le sol. Mais déroule doucement ton dos et déverrouille tes épaules. Alors on se sert du bâton comme appui et là on va monter jambes fléchies sur le côté. Allez, tiens bon, rentre ton ventre.
Abaisse tes épaules, sors un petit peu la poitrine et monte simplement sur le côté. Jambe fléchie, la jambe d'appui, légèrement fléchie. Allez, pense à bien rentrer le ventre, tout est bien gainé. Super, ne lâche pas, c'est très bien. Renforce bien les fessiers. Si tu n'as pas besoin du bateau, tu peux le lever. Tu travailleras plus au niveau des muscles stabilisateurs. Tout petit. C'est parti vers le haut. Tout petit. Allez, ça va chauffer dans la jambe d'appui, hein. Continue de bien te grandir.
Le dernier, on va chercher vers l'arrière. Jambes fléchies, rentre le ventre. Grandis-toi. Tiens, bon, c'est la dernière ligne droite. Après, on passera au sol pour travailler sur les abdos. De côté. On étire au niveau des fessiers. Allez, pose ta cheville sur ton genou. Pousse les fesses en arrière. Change de côté. Pousse bien les fesses en arrière. Petite pause boisson, indispensable. Prends le temps de t'installer pour passer au sol. Allez, on s'installe pour passer aux abdos. Tu peux décoller tes jambes. Et là, tu vas aller chercher un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Pose ton bâton à chaque fois. Si c'est trop dur, tu peux garder les pieds posés au sol. Pivote bien. Serre tes genoux. Serre tes pieds. Super. Allez, tiens encore. Si tu as mal au dos, n'hésite pas à poser tes pieds et à faire la même chose avec les pieds au sol. D'accord, ça travaille aussi, hein. Un petit peu moins au niveau des abdos, mais tu travailles bien quand même. Grandis-toi à fond, hein. N'arrondis pas le dos. Souffle, garde le sourire jusqu'au bout de la vidéo. Bravo, tu peux lâcher et passer allongé au sol. Prends le temps de dérouler ton dos tranquillement, étire-toi au maximum. Déroule doucement le dos, fléchis tes jambes. Garde le bâton dans les mains. Allez, on inspire. Hop, on remonte. Amène tranquillement ton bâton au niveau des genoux. Ne cherche pas à aller trop vite, prends ton temps. Si c'est dur pour les cervicales, pose le bâton et place les mains vers la tête. Pense à adapter en fonction de ce que tu veux faire. Thank you.
chante. Attention, on ne change plus de genre, on n'alterne plus. Moi, je commence à avoir chaud. Est-ce que tu as chaud? C'est parfait, on change de genre. Allez, on continue, tiens bon. Allez, bien flexion, extension. Les genoux.
dans deux sens de rotation. Après l'autre sol, le bateau est toujours dans les mains. Et là, on se redresse. Allez, sans à-coups, si c'est trop dur, ne va pas jusqu'en haut. Super, tiens bon. La fin, on va bientôt s'étirer. Le dernier, tu t'allonges, tu peux relâcher ton bâton. Étire-toi à fond. Un genou vers la poitrine. Prends ta jambe. Relâche, change de jambe, genou vers la poitrine. Tends ta jambe. Relâche, les deux genoux vers la poitrine, petit cercle pour masser le bas du dos. Change de sens. Place les bras en croix au sol. Descends tes genoux sur le côté. Pivote la tête à l'opposé. Change. Descends de l'autre côté. Étire-toi de nouveau. Grandis-toi à fond. Sur le côté, attrape ta cheville. Demi-tour. Allez, attrape ta cheville. Étire le quadriceps. Tu peux relâcher. Passe sur ton ventre. Étire un petit peu, soit sur les coudes. Soit sur les mains. Pousse les fesses vers les talons. Arrondis ton dos. Allez, redresse-toi tranquillement. Avance une jambe devant. Pousse, essaie d'amener l'aine vers le sol. On va pivoter en plaçant les deux mains de l'autre côté de la jambe. On se replace. Tend la jambe, pointe de pied flex. Attention, pas de doigt arrondi. Essaye d'étirer ton doigt à fond. Orteil vers le plafond. On change de jambe. Allez, avance au maximum. Les deux mains vers l'extérieur de la jambe. Replace-toi, pousse les fesses en arrière. Jambes tendues, pointe de pied flex. Dos plat.
pouvoir relâcher. Installe-toi de manière à être bien. Attrape l'oreille et incline la tête sur le côté. Relâche, change de côté. Bascule la tête devant. Bascule la tête vers l'arrière. Et tu peux relâcher, étire au niveau du deltoïde. Étire vers l'arrière pour le triceps. Relâche, change de bras. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à la liker et à t'abonner à la chaîne. Je te remercie de me suivre toutes les semaines et je te dis à très bientôt.